Bonsoir et bonsoir, everybody! J'espère que vous allez bien. On reprend parce que ma caméra était fermée. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de notre épopée ultime sur Elden Ring. Toujours aussi plaisant, toujours aussi difficile. Ben, ça commence à être plus dur. Là, on le ressent que la difficulté commence vraiment à embarquer. Hier, dans le 4e épisode, on a été bloqué à deux boss. Très bloqué. Il y a ce boss-là qui me donne un peu de fil à retordre, puis il y a surtout l'autre qui me donne énormément de fil à retordre. Et là, on commence à arriver dans un stade du jeu où est-ce que là, ça commence réellement à être compliqué. Salut Wendigo, salut Camélia, comment vous allez? Camélia, toi, t'as le nom d'une de mes amies d'enfance que j'ai jamais retrouvée. Quand j'ai déménagé, je l'ai jamais retrouvée, cette fille-là. Parce que je connais pas son nom de famille. Maybe it's you! Maybe. Bon, on va aller en haut. Puis on va essayer de se le battre, là. C'est vraiment pas évident comme passage, Colin. Oui, j'ai vu les photos, je t'ai répondu, Wendigo. C'est écœurant. Je t'ai-tu répondu, mais en tout cas, je les ai vus avant le live. Écœurant. Non, je t'ai répondu, hein, sur Discord. Écœurant. Vraiment nice. Hey, tu dois être content. Est-ce que tout est installé en ce moment? Fait que sur YouTube, c'est normal si vous entendez. Des fois, je parle pas tout seul, on est en live. Et des fois, on interagit avec le monde. Fait que n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si c'est pas déjà fait. On fait des lives à toutes les semaines. Ouais, on va prendre la pioche. Puis là, on va essayer de le battre. Ouais, je joue à Lost Ark, Fairwind. Mais là, en ce moment, je t'en pose de Lost Ark. Je t'en pose de tout à cause d'Elden Ring. Mais Lost Ark, j'y jouerai pas en live, vraiment. Bon, on se réessaye. Oh my god! Hey! Tabarnak! Premier boss qui donne vraiment de la difficulté, là. Il me démolit, mon gars! Mais comment? Comment je suis censé faire? Il me roule dessus, man. Ok. Allô, Quake! On est à un deuxième mur. Il y a le boss d'ailleurs que j'avais commencé en duo, que c'était impossible. Puis là, il y a lui en plus. Il y a deux boss qui me bloquent en ce moment. Puis on doit battre les deux.
Mais là, lui, ce que je vois, mon défaut, c'est que quand je le tape en sautant, oui, je peux le stunner. Je peux le stunner en lui tapant sur la tête, mais le problème, c'est que quand je fais ça, je peux pas bouger pendant 2 secondes, genre. Mais je pense pas que c'est la meilleure des manières. Même si je vais à 2 mains. Ah non, arrête, là. Ça, de même. Non, c'est la même affaire. L'arme est lente. Je suis obligé de le battre à la pioche parce qu'il est fait en vibranium, c'ti. Non. Le boss est en duo. Le boss, il invoque, c'ti. Il y a 2 boss en même temps. C'est vraiment dur, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment dur. Avec les 2 boss en même temps, j'ai été bloqué là hier pendant 1/2 heure. Fait que j'ai dit je vais aller à un autre boss qui est lui que je fais en ce moment. Mais lui avec, je suis bloqué. Puis je pense que même lui va être plus dur que l'autre. Fait que là, en ce moment, il y a 2 boss qui me bloquent un peu. Mais tu sais, c'est pas l'infernal, là, c'est faisable, là, mais... À battre, là, c'est l'un des boss, c'est plus fort, là. Ah, tu le fou! Ça commence à être dur, le jeu, là. Hier, on a battu un autre dragon. Ah, oh, my God! Il esquive tout le temps mes attaques. Tout le temps. Et en fait, ces mouvements en sorte qu'on puisse pas faire ce qu'il faut faire. La date, ça va bien, là. Mais ça va chier, là. Comme là, et voilà, c'est trop long. C'est beaucoup trop lent, merde. Et voilà. Tabarnak, man, what the hell? Fait démolir, man. Ce boss-là va donner du fil à retour à énormément de monde. Que j'ai hâte de voir en live. Big. Désolé mes confrères streamers, mais j'ai hâte de vous voir rusher là-dessus. Ah, je fais tout le temps la même erreur. Deuxième phase. Il est pas content là. Ok. C'est un autre level là.
savent, j'en mange toute qu'une. J'en mange toute une, Colin. Hier, j'ai arrêté à quelle heure, je sais pas. La croix est de retour! Le fou, je sais pas si tu l'as vu, ce boss-là, là, parce que moi, je l'ai découvert par erreur quasiment pas au début du jeu, là, mais il y a un bout. J'y reviens, puis il est trop tendu. Tabarnache! Ça a pas de bon sens. Hier, le pire, c'est que j'étais arrivé peut-être au un quart de sa barre de vie dans mes premières fois. Mais là... Sa deuxième phase est vraiment dure. Elle est dure à gérer. C'est ça le problème. Mais le pire, c'est l'autre boss que j'ai à battre dans le château, là. Ça a pas d'allure, hein. Le boss est vraiment bien fait, là. Mais tu sais, ça, c'est un boss de donjon qui est intéressant. Au lieu de battre le chat 4 fois, là. Faut juste que je prenne mon temps. Faut juste que je prenne mon temps. Je comprends pas comment esquiver ça, man. Il me pogne tout le temps. Les Eh bien, je vois rien, il arrête, là. Oh my god! Sérieux, là. On se bat contre Godzilla dans une caverne de 2 pouces. Balisse. Tabarnak. Chaque mouvement, man, c'est un risque. Man.
Ah, c'est incroyable. Il est vraiment insane, le boss. Ça. Il me fait chier, là. Mais il est bien fait en esti, là, on va se le dire. Encore? Oh. Je suis retourné aller explorer la zone, j'ai manqué tellement de spots. À moi avec, quand j'ai battu le deuxième boss du château, je suis revenu dans la première zone, j'ai fait les marais puis les affaires de la même. Là, ben là, je suis bloqué à ce boss. Ben bloqué. D'autres qui disputent le boss. Il faut pas faire ça! D'accord? Ben, le boss, il est fou. Ouais, là, ça c'est un petit. Ça va être un mur pour plusieurs personnes, ce boss-là, mais il est optionnel. Parce que je pense. À moins qu'il faut avoir son arme pour la fin du jeu, là. Mais c'est un boss optionnel dans le fond d'une grotte, là. Souvent, les boss optionnels, c'est les boss les plus durs. Dans l'histoire, il y a moins de boss qui sont impassables, genre. Mais là, ce boss-là, il est vraiment incroyable. Il est original, il est beau. Ses attaques sont badass. Surtout l'attaque avec la gravité, là. Faut vraiment que tu sortes complètement de toute la zone. La force, c'est qu'on est dans une putain de caverne, c'ti. Au fin fond d'un trou. C'est carrément ça, pour l'attaquer, faut même pas que je le lock. Et voilà, ok, j'ai trouvé la technique. De là, ça va y aller. Et voilà! De là, mon esti, là. Il faut pas qu'on lock. Ben non! Ben non, si la roche est déjà là, arrête! Il tient sa tête en hauteur. Non!
Ok, man! Tabarnak! Il enchaîne deux attaques que je peux pas esquiver, genre. S'il me pogne avec la première, il me pogne avec la deuxième. Ça serait pas un vrai saut s'il y a pas un boss qui te gosse 2-3 heures. Ouais, mais j'espère que les boss les plus durs, c'est pas les deux en ce moment que je bloque, là, parce qu'ils sont pas si pires. Mais là, j'ai compris la technique, mais dans sa deuxième phase, j'arrive plus à le stunner, Colin. Et là, on a compris la technique au moins. Il y en a pour qui c'est déjà un souls, hein. Il y en a qui ont bloqué 2, 3, 4 heures sur le premier boss. Hein. Déjà. Le premier gros boss, hein, le château. Là. Nous autres, on est plus habitués. On verra s'il y a un boss qui va vraiment nous tenir 2-3 heures. Ben, quoique l'autre, le premier boss, ça a été ça, là, de toute façon. Il nous a tenu. Moi, il m'a tenu une heure et demie. Ok, man! Des call-in, toi! Ah ouais. C'est tellement long! Hey man, je l'haïs cette attaque-là pour vrai, là. Mon coup de pioche, man! Ils ont bien fait ses mouvements à lui, man. Le boss protège son point faible, mais naturellement, genre. Dans ses mouvements à lui. Pis là, regarde, oublie ça, man! Oh my god, man. Il me pogne, pis des fois il me pogne pas. Ça, je la comprends pas, logique. C'est ça qui me fait pogner les nerfs. Je comprends pas pourquoi des fois il me pogne, des fois non, genre. Je cours de la même vitesse à chaque calice de fois. Là, il me pogne pas, là.
Ok, man! On l'avait, man! Ouh. Lui, il va être un vrai mur maintenant. Beaucoup, beaucoup de monde. S'il y en a qui ont eu de la misère avec le premier gros boss, là, lui, là, vous allez avoir de la misère en tabarnache. Parce qu'en plus, tu peux même pas y aller avec n'importe quelle arme. Toutes les épées, les haches, etc., ça y fait fuck all. T'es obligé d'y aller avec la pioche, à moins qu'il y ait une autre arme qui est encore meilleure puis que là, je me casse la tête. Là. Mais dans toute la zone, il faut que tu utilises la pioche pour tuer les ennemis. Fait que ça me surprendrait que pour le boss, ça soit une autre arme. Là. J'y fais des dégâts à peu près comme un boss normal, mais la pioche est lente. Puis ses attaques, là, tabarnache. Il te pogne avec une attaque, là, si dans le hasard du dans le hasard, il fait une certaine attaque, ben il te pogne deux fois d'affilée, genre. Un jeu à 80$, ouais, non. C'est mieux d'acheter des skins à 80$ sur Fortnite. Let it go! Let it go! De toute façon, le portable à Quake, ça va être compliqué, je pense. Oh, man! Il est bien codé, ce petit fils de pute. Comment je suis mort? Une restriction sur le... Ben oui. Un jeu à 80$, ça veut pas dire qu'il vaut pas la peine d'être acheté. Ça dépend lequel. Eh ben, il pensait à quoi? Tu veux que quoi qu'elle achète Elden Ring? What the fuck? Je sais pas si quoi qu'elle va être capable. Sa sœur a abandonné Dark Souls 3. Dark Souls 3, je sais pas si il est plus facile ou indifférent. Là. Elden Ring, le début, il est plus. Ben, il est facile. Le premier boss, il a donné un peu de fil à retordre, là, mais. À battre les boss de donjon, c'est pas si pire. C'est vraiment dans la suite, on est loin d'être dans le endgame. Hein. Hey!
peux pas esquiver ça, merde! C'est incroyable! Asti, je peux pas esquiver ces deux-là, man! Tout ça pour rien. Eh oui, mets-toi dos dead! Tabarnak de tabarnak! Oh man. La première phase est pas si pire, la deuxième, là. La deuxième est tough. Parce qu'il fait son affaire de gravité, j'ai une chance sur deux de l'esquiver. Parce que je cours pas assez vite à cause de cette petite pioche. Faut vraiment que je sois capable de le stunner, mais en essayant de le stunner, si je le manque, ben qu'est-ce, je me mange 2-3 coups, genre. Ah, barnache! C'est incroyable. Incroyable. J'étais en dehors, là. Come on! Je la déteste, cette attaque-là. Elle est dénuée de logique, genre. C'est con.
On est contre Godzilla dans une caverne. Tu veux faire quoi, genre? Et ses attaques font toute la caverne. Il y a une troisième phase ou quoi, là? Ah, j'ai réussi. Ça là, c'est un boss qui va bloquer beaucoup de monde. Ah non, mais même avec la pioche, ça le fait, mais c'est très très dur, Tijan. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, je suis content. Oh my god, ça c'est un bon gros boss de fête là. Puis là, il y a l'autre qui est pire qui nous attend là. Oh mon dieu. Oh bordel, ce boss. Il faut vraiment être capable de le stunner, sinon oublie ça, genre. Non, il fait pas assez de dégâts. Tabarnage, mon ami. Oh mon dieu, ça met une bonne défaite. Ah, ici, il y avait la carte. Bon, fait que là, il nous reste à retourner au boss de merde ici, là. Le premier No Hit Run, je la comprends pas parce que ce boss-là, c'est pas que du hasard, mais dépendamment où est-ce qu'il est placé dans la caverne, tu peux pas esquiver son attaque. Son attaque a un gros range, fait, faut qu'il soit genre à la moitié sur le bord, genre. Sinon, tu peux pas l'esquiver. Parce que c'est. Il y a des attaques de Mongol, puis. Bon, avec mesdames et messieurs, le boss de hier que j'ai aucunement réussi à battre, il m'a vraiment fait rage un peu hier. Ce boss-là, je sais pas comment je vais faire. Je sais comment je fais, mais je sais pas comment on va le battre. De même, je le stun. Et voilà. Et là, son ami arrive. Et voilà. Come on, là! Tabarnak!
Il te restait un HP, genre. Les No Hit Run, je me demande comment ça marche. Je me demande si des fois ils font des coupures et on s'en remarque pas. No Hit Run, là. Ah, barnache. Mais la face, c'est un monde ouvert, hein. Avec le No Hit Run, là, il y a plein de boss que tu fais pas, là. Il y a ça aussi, là. De merde. Ouais, le gars est en live. Finalement, il a mis une vidéo de lui puis il a tout recollé les morceaux. Elden Ring, par contre, arrivé à la fin du jeu, je pense que c'est beaucoup plus simple que les Souls normales. Parce que tu peux skipper tellement de boss, hein, quoi que les autres avec du coup. Hein. Le problème, c'est lui. Ben oui, man. Asti de Chris, man. Les éléments de décor, là. Ça a pas d'allure, les éléments de décor. Je vous dis, hier, je pense qu'on a passé une heure sur lui. Une heure. Le problème, c'est pas de tuer la chimère, c'est de tuer l'autre. L'autre, là, je sais pas comment je vais faire pour le tuer, genre. J'ai aucune idée.
Je peux pas le backstab, je peux rien faire, genre. Ah, mais regarde, c'est là, contre lui, je fais pas de dégâts, là. L'autre, je faisais des dégâts parce qu'il est pas bon, mais regarde, lui, je fais du 80, là. Je fais rien, là. C'est parce que l'autre, ils ont fait exprès de le mettre moins fort. Là, lui, y a-tu une deuxième phase? Je sais pas. On va y aller de même. Si tu m'aurais vu contre le boss de tantôt, là, oh là là. Asti de chien sale de calice. Et même quand j'esquive. Holy shit, comment je vais faire? Ah, là, là, non, là. Là, par contre, non. Il est simple, c'est juste que s'il fait un move bizarre, je me fais torcher, genre. Oh! J'ai peur qu'il y ait une deuxième phase. Hier, j'ai essayé avec la pioche, j'y faisais pas plus de dégâts à lui. Et voilà, je savais deuxième. Oh! Ben non! Et je sais pas comment je vais le battre. J'essaie avec un pouvoir temporaire. Fait du dégât magique. C'est un combat sur le long terme, lui. C'est de l'endurance mentale, là. Ouais, le cas. Ça, il m'a fait des dégâts, quoi qu'il se passe, man! Oh. Le problème, c'est que j'ai pas les stats pour les masses. Il y a une place dans le jeu où tu peux te battre en duel contre lui. Ah ouais, fait que ça fait qu'ils sont pas deux en ce moment, genre. Il y en a une masse, ce type. Il y en a une drette là, mais elle n'est pas améliorée, calvaire.
Je continue avec mon katana, puis mes choix contre lui, je vais mettre la masse. Wow. Mais l'affaire, c'est que je connais pas le moveset de la masse. Ok. On va essayer ça, là. La chimère, c'est carrément mon katana qui y fait mal, là. La chimère, c'est pas un problème. Sauf quand ça fait de la merde. Dégla. On essaye ça. Fuck all, man! Ça y fait rien. Peut-être celle-là. Ça fait du 7. Ah, man! Fuck off, là. Et ça, c'est un élément de décor qui bloque, là. Fait qu'en gros, je l'aurais battu avant, je l'aurais pas eu en duo, genre. Fait que j'y vais à la dure en tabarnak, moi. Je sais pas ce qu'il est censé y faire mal, là. Non, j'ai pas frappé son bouclier avec la masse. J'ai fait du 7, puis j'ai fait du 30. Avec mon katana, je fais du 80. J'ai du 100, même. .137 quand je fais un coup sauté, genre. J'ai fait la marde. J'ai fait la marde! Le marteau marche pas, la masse ça marche pas, l'autre mini-masse ça marche pas. Je sais pas c'est quoi, man.
La cimetière, oublie ça. Si c'est une armure qu'elle a sacrément. Hier, je mettais l'élément de feu. Hier, j'ai essayé plein d'affaires. J'ai mis mon arme en magie, en feu, en poison. Ça faisait fuck all. Non, hier, j'ai tout essayé. Hier soir, on a passé une heure là-dessus. J'ai mis du feu, j'ai mis tout, puis oui, ça fait un peu plus de dégâts, mais là, j'en ai plus, là. Bats-toi en solo contre lui dans l'arène ronde. Quelle arène? Je sais pas c'est laquelle, mais non, man. J'abandonnerai pas contre ce fils de merde. Je vais battre les deux en même temps, point barre. Je connais ses faiblesses, toi, dis-moi les pas. Je vais être fier de le dire que je l'ai eu à la dure, en plus en duo. Thank you.
Bon, là, ça commence. C'est là la merde. Bugué là? Hein? Ouais? Ok, quand les boss sont bloqués, c'est vrai, ils font 8 spawns comme mon dragon. Ça, c'est nice par contre. Tu peux pas faire bloquer un boss parce qu'ils font 8 spawns au milieu de l'arène, genre. Elle m'a fait ça avec le dragon. Allô, Monique. Comment tu vas? J'ai fait de la merde. Quoi? Y'a une autre phase de ça? Ok, on peut l'esquiver. Oh my god! J'ai fait le con!
Je vais mourir à cause de la magie, man. Il est pas infaisable, loin d'être là. On choisira pas la facilité d'aller le battre en 1v1, là. On va le battre ici, maintenant. Je vais être fier de dire que j'ai pas reculé pour aller le battre en 1v1. Les deux en même temps, man. Le maître et la bête. Mais là, au moins, je connais toutes ses movesets, fait que je vais être capable de réagir. Là, j'étais dans l'inconnu dans sa deuxième phase. J'ai pas mon épée! Quoi? J'ai accroché un bouton, genre? What the fuck? J'étais à main nue, calice. Pas tant, man, le chevalier, là. Ça me tente, des fois c'est rapide, des fois c'est long, genre, avant de... Bon, allez.
Deuxième phase. Après ça, la troisième. Ça, là, faut que je fasse attention. Encore! Asti, fils de pute! Ok, non, t'as pas le... Vous donnez pas Mortal Kombat parce qu'on spamme les attaques, le calice. Il refait deux fois la même merde. Ah, il est bloqué encore. J'aurais son point faible, là, il serait déjà mort. Il serait déjà mort. Il va m'avoir à l'usure, c'est ça le problème.
Il va m'avoir l'usure encore. Hey, j'arrive plus à réfléchir, je vous ai noir, genre. Parce que je l'aurais pas. Je vous ai noir, resti. Ah si, je shake. Je shake. Oh my god. Ah, je voyais noir. Ah si, man. Je shake, ah si. Ça, là, c'est cette sensation-là qu'un Souls-like doit donner. OK? Chercher la facilité, là, puis invoquer, là. Oui, t'as du fun pareil, puis que tu vas finir le jeu, là, mais le vrai but de ce genre de jeu-là, c'est la satisfaction incroyable. Oh my god, s'il me restait plus de vie. Ah non, call-in de bout, il me touchait pas, là. Ça, là, c'est de la satisfaction, man. Ah, le One Piece de requin. Ben là, quoi, que t'aurais dû le mettre à soir? Parce qu'il reste pas grand temps, hein. Préfères-tu que je le mette à soir? Parce que c'est à soir, je vais le mettre plus longtemps. Parce que là, il est quoi? Il est quelle heure? Il est dans même pas 2 heures, j'arrête, là. Oh, man, je shake. C'était un combat à 100 si les deux, on n'avait plus de vie. Non, je le mets pas à soir, quoi. C'est jusqu'à la fin du live. Puis mon live, il arrête tantôt, puis tantôt, c'est un autre live. Fait que c'est maintenant ou tantôt. Oh, man. Ah. Ça, cette sensation-là, malheureusement, le monde qui veut trop la facilité, puis qui ont pas assez de patience pour apprendre dans le jeu les boss, puis tout, là, ils ressentront pas ça, ce plaisir. Oh putain, pas de magie, pas d'invocation, fuck all. Oh. Puis en plus, avec une arme qui est même pas le point faible du boss. J'aurais eu son point faible, il aurait été mort depuis un méchant bout parce que j'aurais fait genre 2 fois plus de dégâts, puis j'arrivais souvent à la moitié de sa barre. C'est la 3e phase, là. Non, je veux pas savoir ce que sa faiblesse. Ben, tu peux me le dire en privé, mais dis-le pas dans le chat, sinon le fou va le voir. Ah, le fou, il va le battre à la loyale, et voilà. Ah non, il m'a pris un bon 1h30, 2h, ce boss-là. Là. En plus, il était 2.
Il était deux, c'est ça le pire. Pas du tout, qu'est-ce que tu veux dire? Alors moi là en privé, je vais comprendre. Ah, puis je pouvais rajouter une fiole! Oh, ça prend 3 graines à se faire améliorer. Oh my god, man, j'avais le droit à une autre potion. J'aurais été à 8. Je suis rendu à 8 potions. Fait que je le mets quand, Quake? Fait que j'imagine que ça va t'asseoir. Hein. Ça sert à rien de le mettre pour 2 heures. Ah, la musique, mon gars. Ce soir d'abord. Bon, parfait. Et cette arène-là, là, je vais en faire des cauchemars. Holy shit. En tout cas, je l'ai battu avec le katana, merde. C'est ça. Ouais, mais ça y est, tu te spoil avant d'aller le faire. Non. J'ai testé tantôt. Ah, parce que toi, tu l'as rencontré dans l'arène avant, toi. Je te challenge de le battre sans son point faible. Non, je l'ai pas spoil. Non, non, je veux dire, spoil-toi pas toi-même avant de le battre. Oh, bordel. Après, j'ai essayé la massue, j'ai essayé plein d'affaires, puis j'ai pas vu c'était quoi son point faible. Puis en plus, on peut même pas le backstab. Mais regarde, la manière que je l'ai battu, man, ça m'a donné des tremblements. J'ai vu noir, puis j'ai réussi à le battre pareil. Fait que là, là, guys, là, quand vous me dites que, ah, oh, ben là, j'ai eu de la misère sur ce boss-là parce que j'étais moins fort que toi, là. Tabarnak, le nombre de dégâts que je faisais à ce boss-là, je pense que c'est le nombre de dégâts que vous faisiez aussi à d'autres boss que moi j'ai battu peut-être plus facilement, là. Mais tout vient s'équilibrer, là. Mais l'avantage, au moins, il me one-shotait pas, là. Est-ce que j'ai essayé de le parry? Non, mais j'imagine que c'était ça, là. Tu t'es déjà battu contre? As-tu réussi à le battre ou il est vraiment dur en solo? En tout cas, je l'ai pas parry à rien, man. Oh là 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 là. Tarnished, are you? How did you slip inside with the gate closed? No matter. If you can fell one of them, you're a champion in my book. I am Jaren, foolish old warrior and witness. Incidentally, do you like a good fest? To parry. Well, fait que le parry, c'est facile d'abord. Le boss est hyper facile. But when the stars align, we celebrate a war festival honoring the last battle and death of General Radahn, the mightiest demigod of the Shattering and bearer of a great rune. Ah, le festival de l'autre. Well, good. As you should. The festival affords glory to warriors. Then all you need is a little patience. Ah, mais le timing est facile parce que il est lent. Ses attaques sont lentes quand même. J'aurais dû y penser de parry, mais je pense que je pouvais pas avec mon bouclier. Parce que j'avais une attaque avec mon arme. Oh non, c'est avec l'autre. Have patience, When the stars align, the festival will be declared. Bon, fait qu'il faut qu'il fasse nuit. Pour revenir ici la nuit pour le festival de l'autre. Là. Ah, d'après moi, c'est ça la porte. Pour le festival. Ben ça, je peux même pas attaquer puis je peux même pas bloquer. Fait que d'après moi, le festival, il est ici. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile de savoir que tu peux le parry que de ne pas le savoir. Moi, je l'ai fait à la dure en tabarnak, là. La première fois que je me bats contre lui, je l'ai même pas battu en solo avant dans l'arène. En plus, en duo avec son animal de merde. Oh my god. Bon, ben jusqu'à la nuit. Il n'y a pas d'étoile dans le ciel, je sais pas si ça va compter. Hein. Festival, il est là, je pense. Mais là, il n'y a pas d'étoile, ça marche-tu?
This old geezer hasn't any use for you. Ah ben non. Go on now. This old... Le festival, il arrive quand, hein? Il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Ça y est, il a fait Dark Souls 3. Il n'a pas fait les autres. Les autres, Dark Souls 2, là, c'est un méchant challenge. Encore plus relevé qu'Elden Ring, ça c'est sûr. Là. Mais pour le moment, Elden Ring, là, je sais pas, on n'est pas encore rendu. Je vais refaire jusqu'à la nuit. À moins que j'aille jusqu'au matin, là. Non, jusqu'à la nuit, puis il faut que j'attende. Faut que j'attende que les étoiles arrivent, genre. Bon. Ah, regarde, le pari, j'allais de même. Genre. Pas les DLC. Hey, Dark Souls 2, il y en a sacrément des boss, mais il y a plein de boss merdiques. Il y en a en tabarouette des boss merdiques. Tabarnak, on peut en faire. Ah, je peux en crafter des choses ici pour. Confère à l'arme des dégâts de feu. Hein, je vais m'en faire. Je vais faire l'arme des dégâts de saignement. On va en faire. Ça, je vais le mettre ici. On va faire rapidement des dégâts de feu. Ça, là, l'antipoison, je suis jamais capable d'en faire, là, c'est étonnant. À lancer pour couvrir les ennemis de sang maudit, what the hell. Il y en a en sacrement des shit, man. Bon, on va aller là-bas en attendant, je vais revenir pour le festival. Fuck up ton build. Dans quoi, dans Dark Souls 3? Ben, tu peux pas vraiment fuck up ton build dans Elden Ring. À moins que t'aies mis plein de points d'intelligence pis que tu fasses pas de magie. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, se faire two shot, c'est normal aussi. Hein. Dépendamment des ennemis. Hein. C'est comme moi, le boss que je viens de battre, il me two shot. Avec ses vraies attaques, là. Hey, il va savoir des étoiles? Pour le moment, il n'y a pas d'étoiles. Ok, ouais, lui, il spawn. Lui, là, c'est une merde. Je comprends pas le festival et quand. Genre, il dit les étoiles doivent être alignées. Ça signifie quoi, ça? En tout cas, là, les trucs, ils me disent d'aller voir là-bas. Ici, il y a quelque chose, apparemment. Est-ce que c'est beau? Il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Thank you.
go on this, old geek. Mais comment tu l'ouvres la putain de porte? J'ai mis plein de points en strange et je me fais tout. Ah, ok, ouais. Augmente ta vigueur, tes points de vie, là. Mais au moins, tu dois faire du dégât en tabarnache, là. C'est pas comme Dark Souls, je faisais quasiment aussi mal que Denmark à ses débuts. Elden Ring? Je comprends pas. Tu faisais aussi mal quand, là, là? Comment on fait, man? Ben, allez voir ce... Comment on fait pour rentrer là, là. Le festival, je sais pas comment qu'on fait pour y aller. Elden Ring. Festival. Ce qui est dit que les étoiles doivent être alignées. Elden Ring Festival, help me please. Comme ça, on va tout le savoir, là. Que ça, c'est des éléments, là, qui font juste chier, là, quand on sait pas comment passer une porte, là. Hein? I was able to do the festival quest during the Rani / Wolfman quest line. Never had to fight the duo to reach them. Il y a un moyen d'esquiver le duo? Ok, mais c'est dégueulasse. Ok, il faut trouver la pièce gauche et la pièce droite de Pierre. Mais ça, je les ai pas. J'ai rien qu'une partie, genre. Mais on sait où les objets clés. Ça, gars, j'en ai rien qu'un de même. Un de même, c'est pas la même affaire. Faut pas sélectionner le grand ascenseur. Fait que ça va être dans l'histoire principale, là. Ouais. Hey, yo, ça dit qu'il y a. À un moment donné, si tu fais une quest line, t'as même pas à te battre contre eux autres. Ben voyons donc. Avec le monde ouvert, là, tabarnache. Je comprends pas qu'il y ait déjà plein de guides. Le monde ont joué un mois à l'avance, quoi. Je comprends pas comment le monde font pour pondre des guides, genre. Le jeu est sorti il y a 4 jours. J'aimerais tellement pas ça devoir rédiger des guides si que j'aimerais pas le jeu. T'es obligé de tout découvrir le plus rapidement possible. Ah, si ça doit de la merde. Ça doit tellement être de la merde, là. You more, yeah. Tabarnage en oblondant. Ça va pas de me battre contre lui, là. Ok, je pense pas y passer à travers. Holy shit. Holy shit.
Fait que ça, c'était l'entrée. L'entrée, on pouvait pas passer par là. J'irai pas en bas par là, là. Je m'en vais où, là, calvaire? Ok, je suis dans le coin de l'autre, là. Il va rester là, c'est bien. Parce que je veux récupérer l'objet, mais je sais pas comment je vais faire. Sinon, il y a rien d'autre à récupérer. Donc là-bas, il y a quelque chose. Si je peux pas battre les deux en même temps, c'est impossible. Eux sont trop rapides. Si je drop... Il y a pas un levier pour ouvrir la porte? Non, il y a rien. Parce que j'ai quand même 19 000 sous, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais équiper, au lieu de la tortue, mon truc sacrificiel, que si je meurs, je perds pas mes sous, là. On va aller récupérer l'objet. Ici, de toute façon, j'avais tout fait. Là. Il me restait juste à récupérer l'objet. Et voilà. C'est rien que la pierre de forge, t'es sérieux. C'est juste ça qu'il y avait là. Je viens de me téléporter, je décalise de là. Le fait qu'on puisse se téléporter comme ça, là... Encore une fois, je reviens avec l'accessibilité. Il y en a qui disaient que le jeu n'est pas assez accessible, que c'est pas encore assez assisté pour le monde qui commence dans cet univers-là. Le seul fait de pouvoir se téléporter comme ça, je m'excuse, mais c'est déjà assez, puis c'est déjà juste limite, je trouve. Là. Dans un vrai Soul, j'aurais pas pu me téléporter. Là. C'est limite. Limite, limite, limite. Alors, on peut pas rendre le jeu plus accessible que ça, sinon ça va être encore ben trop facile. Là. Bon, fait que là... Mais lui, il me dit d'aller vers là. Parce que là-bas, il y a un autre feu, genre. On va aller voir. Il y a tellement une vibe de Shadow of Colossus, moi j'adore. Avec le cheval, là. C'est pas un cheval, là, mais... Ah, ah, ah! Ça va être une église qui va donner une fiole, là. Oh, 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 wow, wow, wow. Who the fuck are you, man? Est-ce que, gars, je suis pas capable de parer. Je pense que c'est pas fait pour parer mon affaire, moi. Là, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. J'ai pas mis le bon truc sur mon bouclier. Ouais, c'est ça, j'ai mis une modification de même, ça fait un truc magique de merde. Fait que je peux même plus... Je sais même pas à quoi ça sert, en fait. Je peux-tu le voir? Ça le dit pas. En tout cas, je vais retirer ça, là, c'est de la cochonnerie, là. Manuel d'apôtre, des dragons anciens. Eh ben. Eh ben, eh ben. La modification, c'est de la merde. Comment que ça s'appelle? Ça s'appelle mur tempéreux. Tempétueux. Pour moi, c'est pour empêcher les flèches de toucher ou je sais pas quoi. Là. C'est de la grosse merde. Mur tempé, je sais pas quoi. Là.
Ah, lui, il spawn tout le temps là. Fait que d'après moi, on va pas le farmer pour avoir ses armures. On va enlever le truc. On va remettre la tortue. C'est beau le monde, hein? À 20 000, je vais pouvoir monter de niveau là. Enlève-le avec le feu, ouais. Faut aller l'enlever tout de suite après là. Je peux même pas parer avec ça. D'accord, en fait, j'avais vraiment de la merde pour me battre contre l'autre boss. Regardez ici avant, qu'est-ce qu'il y a. Fait que là-bas, c'est là-bas qu'on était. C'est direct là-bas qu'on était dans le château. Mais j'ai eu un téléporteur qui m'a amené direct dans le château. Fait que j'ai même pas eu besoin de passer ici. Fait que là, j'ai rien qu'à aller me promener rapidement après avoir enlevé le truc sur le bouclier pour voir qu'est-ce qu'il y avait là. Ouais. On va l'enlever ça là. Ok, ça redirige les projectiles. Comment je fais pour enlever ça? Attends, ici tu peux. Ah, je pourrais changer mes trucs. Sort mémorisé, non? Ah, je peux avoir 3 sorts. Les sorts, je les utilise même pas. Je peux pas l'enlever. Faut-tu que j'aille au truc site? Ah, crème, mais je l'ai fait avec le gars, c'est bizarre. C'est bizarre. Ah non, met again! Ok, non, c'est correct. Je pensais que. Il n'y a plus rien à m'apprendre. C'est le forgeron, je pense, qui peut l'enlever. Il n'y a pas de café, je peux l'enlever. Ok, bon. Manque un bout. Pierre de forge 3. C'est celle-là que j'ai pas. Il m'en manque. Pierre de forge 3. Attends, je vais y vendre la pioche que j'ai en trop parce qu'elle m'énerve. J'ai peur à un moment donné de l'améliorer par erreur. Celle-là, là, je l'enlève parce que. J'ai hâte d'avoir des armes insane. Alors ça, man, c'est quoi? Segment 55. Apparemment que c'est ça. My god, elle a l'air insane, cette arme-là. C'est blague, je peux pas l'essayer ici. Quelle carte, Wendigo, t'as hâte qu'il arrive? Attends, what? On peut changer l'apparence de nos trucs? Ça fait quoi? Si je fais ça, genre. Hey, on a des skins!
Dépenser 500 runes et modifier l'objet pour obtenir le résultat suivant. Robe de performance dépravée altérée. Ok, je peux enlever ma cape. Je peux enlever ma grosse cape, genre. Hein, je sais pas, on peut changer les apparences. Fait que là, ça me permet d'avoir mes cheveux que j'avais pas, genre. Mais je préférais l'autre. Tu peux enlever les caps puis ouais, ça tu peux enlever les caps et compagnie. Mais quoi, je vais laisser le même là, je vais pas redépenser là. Ok, ben je vais le laisser de bord. Je vais le laisser puis je verrai ce que ça donne. Bon, il m'en manque pas gros pour monter en niveau. Là, je sais plus quoi monter. Je pense que je vais monter l'endurance un peu. Je sais pas, je monte-tu la force, je monte-tu la dex. Pas mal l'endurance, là, faut que je le monte. Pas mal. Je vais monter jusqu'à 30, puis après ça, je monterai l'autre. Bon, on était rendu où avec tout ça? On était là pour l'explorer. Je vais essayer de voir cette arme-là, à quoi qu'elle ressemble. Et ouais, elle est lente. Elle est lente. Si je m'en vais m'essayer contre l'autre là-bas. Là, c'est sûr, je ferai pas de dégâts. Là. On a essayé. On va laisser faire cette arme. Mais elle est trop lente à mon goût. Elle est beaucoup trop lente. Enfin, je vais remettre l'autre là. Ça va beaucoup mieux. Bon, ben, je vais aller explorer un peu la zone que j'ai skip à cause du téléporteur. C'est-à-dire vers la droite, vers le sud. Ah, c'est, vous direz la COVID ici, man. La COVID a pris l'environnement. What the fuck? Ah non, les Corbeck. Les Corbeck! Ah, ben, attends, j'ai bien fait en rime. On a une graine ici. Graine dorée. Ça, c'est pour améliorer les fioles, le fou, hein. Des petits arbres dorés de même, il y en a un peu partout. Ben, un peu partout. Ça court pas les rues, là, mais. Tabarnak, c'est. Man, c'est horrible ici. Tu veux. Ah, eux, ça mange de la viande! Je suis sûr qu'il y a des trucs de cachés, là. Ah ouais, ici, il y a de quoi, là. Oh non! Merde! Bon, puis lui, il est là.
Superbe. Oh, ils se battent entre eux! Let's go! Ah! Tabarnak, mon gars. Les chiens ici sont pas commodes. Taurine, mange. Tabarnage! C'est de la vraie folie. Ah ben ils se battent entre eux, guys. C'est génial. Et voilà! Des runes gratuites! Ah! Ils se sont battus entre eux. Une vraie gang de singes, juste. Non, tabarnache. Un autre de mort. T'es-tu ton menace? C'est un cirque, cirque! Eh voyons, tout le monde meurt! Hey Wolfie, t'es le dernier survivant! Hein? Ouh! On va nourrir Torrent, là. Pauvre Torrent. Hein? Bon travail, Torrent. Tabarnak, le cirque. Oh my god! On dirait Dark Souls 3, le DLC. Le désert... Oh my god! OK, on va là direct après. Et j'ai fini d'explorer où est-ce que je peux aller, là. Oh shit, que c'est beau. Eh, c'est vraiment beau ici. Alors, je sais pas si je préfère un Dark Souls classique ou un Elden Ring. Parce que, en ce moment, je trouve qu'il manque cruellement de variété de boss. T'sais, on a battu 4 fois le Stitcha de merde pis tout, là. Mais on n'a pas vu toutes les boss. Mais en ce moment, je trouve qu'il manque un peu de boss monstres. Il manque de monstres. Puis pareil, les mini-arbres divins, c'est toujours le même boss, rien que des éléments différents. Donc, j'espère qu'il va y avoir plus de monstres. Et j'espère ne pas être déçu avec le boss final aussi, là. Mais là, les boss chevaliers et les boss humains, là, je trouve qu'il y en a peut-être un peu trop, mais on les a pas toutes faites. Là. On est à moitié du jeu, peut-être. Là. J'ai beaucoup moins de drop de frame en ce moment. J'en ai un peu, mais moins qu'au début, je pense. Ou sinon, je me suis juste habitué. Là. Mais j'ai vu que les notes sur Steam réaugmentaient un peu. Là. Mais le monde ouvert, c'est vraiment nice. Bon, fait ici, on va avoir un donjon. Juste en avant. Ça va bien? Comment tu vas, Tanker? Hello! Hey, toi! Oh my god, ça a l'air d'être un... Oh! Pique le corbeau! C'est pique! Il a mal viré! Ah, tu vois, ça, c'est des bestioles que j'adore. Au lieu de me battre contre des chevaliers, là, ça, c'est nice. Il va me bouffer, là.
Hey, ici. Ouais. Non, pique le corbeau. Il est tombé en bas. All in. Salut, Lix. Comment ça va? Bonsoir à toi. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Je m'avais amené un pudding puis j'ai pas de cuillère. Good job, Dead. Pas de cuillère. Bon, nouveau donjon. Nouveau donjon. Les catacombes. Ah, je vais mettre ma petite lanterne. Je sais pas pourquoi il l'enlève. Quand on meurt, il l'enlève la lanterne. Il faut tout le temps la remettre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh my... Oh non! C'est beau, mais ça va être de la merde, ça. Ah, le retour des squelettes de New World! New World! Le grand retour... Ok, c'est bon. Ça, on est bon. Et il y avait vraiment un mur invisible. Dans les donjons, il y a des murs invisibles. En dehors des donjons, je sais pas. Bon, on va attendre un peu. Exactement, Holy Madness. On a passé à travers, on a réussi, puis je suis vraiment content. Puis je l'ai eu à la dure parce que j'ai même pas usé du point faible du chevalier. Je l'ai eu à la rien qu'avec mon katana puis les esquives, genre. Il me restait un HP, il lui restait un HP, puis je l'ai eu. Incroyable. Ça, on va le changer. Bon, on va falloir trouver c'est quoi, pis c'est où, pis c'est comment. Ok, ouais, il est là. Ah, il y a vraiment des murs invisibles dans les donjons. Et voilà! Il faut le savoir, là. Quelqu'un qui a jamais joué au Soul pis il sait pas ça, là. Bon, fait que, mesdames et messieurs, j'espère que c'est pas le chat, là. S'il vous plaît, là. Tout d'abord, ami, essayez le feu. Bon. On va essayer le feu. J'espère vraiment que c'est pas encore un chat de merde, là. Parce que je serais pas content, là. Ah, c'est encore lui! Mais voyons! Hey, les donjons, par contre, manquent vraiment de variété, là.
Au vrai, là, c'est redondant un peu, là. C'est rien que deux fois, là. Mais, il aurait pu mettre plein de nouveaux boss, là. Hey. Ouais, je sens que dans les avis négatifs du jeu, là, c'est ça qui va ressortir le plus. Là. Les donjons, là, ça fait deux fois que je bats l'ombre du cimetière. Puis le chat, là, le chat de merde, là, ça fait quatre fois. Là. La quatrième fois, il est en duo. Fait que c'est un peu ça, là, c'est un, pour moi, c'est un gros, gros défaut parce que je comprends pas genre pourquoi ils ont fait ça. Reste que le jeu est excellent. Reste que je mettrais pas un nom recommandé sur Steam. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. D'un, les donjons, les environnements des donjons, ça change pas énormément. C'est souvent semblable. Je trouve qu'ils auraient pu se mettre plus d'environnements différents dans les donjons. Genre un type de pierre différent ou je sais pas quoi. Encore là. Encore là, on n'est pas à la fin du jeu. Peut-être qu'il y a des donjons qui vont être différents. Là. Mais même à ça, du filler. Ils ont déjà fait du filler bien mieux que ça, là. Je veux dire, des trucs optionnels, là, ils ont déjà fait ça dans tous leurs jeux, puis c'était pas répétitif. Là. Je comprends pas. Là. D'après moi, l'open world, ça leur a pris énormément de temps, fait qu'ils ont peut-être pas eu le temps ou le temps d'autant développer les donjons, là, mais. Et je comprends que c'est optionnel, puis c'est pas tout le monde qui va voir ces boss-là, fait que peut-être qu'ils ont dit on va en mettre 2-3 pareils, genre. Mais, crème, ils ont jamais fait ça dans le passé, faire 4 fois le même boss. Là. Encore là, je dis 4 fois, peut-être bien qu'il y en a un autre chat dans un donjon quelque part. Là. Et c'est un défaut, mais c'est pas un défaut qui est grave parce que les donjons, on passe pas beaucoup de temps dedans. Là. C'est pas si grave que ça, mais je trouve ça bizarre. Qu'ils ont pas fait plus de variété. Parce que là, le chat, je peux comprendre. Le chat avait plusieurs éléments. Dans le... Encore là, je peux comprendre, mais c'est chiant. Là. Parce que là, maintenant, t'as les mini-arbres-mondes que c'est toujours le même boss, mais avec des mouvements un peu différents puis des éléments différents. T'as le chat qui revient plusieurs fois, mais qui change un peu d'éléments. Puis là, t'as l'ombre du cimetière. Je... Trois boss que tu bats 3-4 fois chacun. J'espère qu'il va y avoir bien d'autres boss, parce que lolo. Mais j'en doute pas. Le jeu est excellent pareil, là, mais... Bon, lui est là. Et un peu plus, il tombe en bas. Au! Toi. Le chat, c'est non.
Et le show, je le trouvais bien nice, mais après 4 fois, tu commences à être tanné. Oh shit. Ben, tanné. Tanné, c'est un grand mot, là, on s'entend. Là. On n'est pas tanné, mais. Et répétitif. Parce que c'est beau. Oh my god, il y a une guerre mondiale ici. Aïe, regardez les chiens. Il y en a un qui s'est fait empaler et il est en train de brûler. Assis que la direction. La DA est incroyable, man. La direction artistique, mon ami. Ah, ben, regardez-moi ça, comment c'est bien fait. C'est quasiment de l'horreur, man. C'est beau. Je me dépêche à regarder s'il y a des objets pendant qu'ils se battent. Là. C'est vraiment le fun, je trouve, des guerres de même. Ça fait 3 fois que j'en vois, puis c'est nice. Des combats entre créatures et humains. Là. On les regarde se battre. Ils se débrouillent bien. Ah bah ouais, t'es se massacré lui. Hey, ils ont brûlé les chiens. Ah bah ouais. C'est vraiment beau. Ah merde. On va aller voir après. Hein. Comme là, ici, il y a un autre téléporteur, mais lui, il est pas actif, c'est bizarre. Utilisation impossible actuellement. Ah. Ah, ah, ah. Aller en haut. That's it. Va-t-il y avoir un beau petit coffre en haut? Ils sont 4? Ok, non, 3. Dégage. Boum! Et un petit coffre. Talisman de flèche mordante. Je sais pas s'il y a des mimiques dans le jeu. On peut encore monter en haut. T'as rien, ça. Bon, 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 bon. On va en bas. Ce que j'aime aussi, c'est que les dégâts de chute sont moins importants. Dark Souls, tu tombais de 4 fois moins haut puis tu crevais. Bon, fait que ça c'est beau. Là, lui il dit que là-bas il y a peut-être un autre truc d'éclat.
Tabarnak, on se fait tirer. Ça, on l'avait un peu fait l'autre fois. Ben voyons, c'est quoi là? Il faut pas que Torrent meure là. Ah, on peut pas y aller. OK, c'est réglé. Je me demandais si on pouvait aller en bas. C'est réglé. C'est réglé. Si je nourris Torrent. Et tabarnak, faut pas qu'il meure. Hein. Lui, s'il meurt, faut avoir une affaire spéciale pour lui hiver. Je pense que j'en ai déjà, mais. Bon, oui. Ça ici, je l'avais fait, c'est ici, j'étais pas venu. Allô, Jojo, comment tu vas? Oh, j'enlève Torrent parce que je veux pas qu'il meure. Je peux pas regarder la carte parce que l'autre il est là. Ça fait quoi si ton cheval il meurt? Apparemment pour le river, il faut lui donner un fruit ou je sais pas quoi là. Mais il y a un succès qui s'appelle traiter votre monture avec respect. La manière que je vois ça, c'est qu'il faut pas qu'il meure pendant tout le jeu. C'est comme ça que je le vois ce succès là. Fait que j'essaye de faire qu'il meure pas. Avec ça, ça va là, ça va là. Puis là, il faut aller vers là-bas, guys. Il faut aller là-dedans. Je sais pas comment qu'on va là-dedans, comme je dis, mais... Salut, zombie, comment tu vas? Ça va bien, Jojo? Hey, il restait un HP. Ah là 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 là. Bon, fait que là, on va aller vers... On va aller voir ici. L'autre point que j'ai là, c'est... Ah, c'est pour la carte. Ouais, je vais aller chercher la carte avant. Je vais aller là, mais je vais aller chercher la carte.
Par là, je pense. Oh là là. Oui, 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 zombie, quelle est-elle? Pom pom pom. Là, c'est savoir comment je fais pour... Je pense que ça, c'est en haut, en fait. Je serais mieux de me téléporter là puis de remonter. Si je me trompe pas. On va voir, on va voir. Ah, là-bas, il y a un chariot. On va aller le récupérer. Wow. As-tu vu le boss qui ressemble à un chevalier doré avec une hache? Tu l'as tué ou pas? Oui, c'était au tout début. Au tout début, je l'ai tué. Tout début du jeu. Je l'ai pas skippé, je l'ai fait. Il y en a qui l'ont skippé. Là. Moi, j'ai pas abandonné. Ça a pris une heure et demie, mais je l'ai eu. Y'a rien dedans? Ah, oh, c'est un bait. Les corbeaux, mon gars, ils ont grandi en mangeant de la viande après les guerres. Ah, il m'a entendu. J'étais sûr que j'étais mort. J'étais sûr que j'étais mort. What the hell? Des carreaux explosifs. Là-bas, il y a un truc doré. Là, il me le faut. J'essaie d'attirer le chien. Là. Je vais les battre un à la fois. C'est bon. Hop, il y a un petit bug ici. Bon, ça, il me le faut. Et voilà! That's it. C'est hyper important, ces petites boules-là. Les rouges, normalement, ils donnent juste des potions. Mais à un moment donné, il y en a un qui m'a donné un sort. Fait que j'étais là, man, je vais toutes les faire à cette heure. J'en manque un, ça fait chier. Là. De toute façon, je pense qu'on le manque, puis on revient 8 spawns. C'est tellement bien fait. C'est trop beau. Oh, le village des morts vivants. Vous allez où, bordel? Ça, on l'avait fait, ça. En bas, c'est l'arbre monde.
Ah, mais faut que j'aille en haut là-bas. Tout simplement. Il est pas trop puissant. Il est pas trop puissant. Il est faisable. Dis-toi, là, faut que tu sois capable de le faire. T'es capable, t'es capable, t'es capable. Parce que tu vas avoir des boss pires que ça dans le jeu. C'est un bon entraînement de départ. Là, le pire boss que j'ai eu, c'est les deux que je viens de battre tantôt, là. Ça, par contre, je l'ai pas exploré, je pense. Non, ça, je l'ai pas exploré. Shit. Il y a un donjon ici. On va aller mettre le feu de camp, je vais remonter. Oh, il y a un boss carrément. Wow! Wow! Qu'est-ce que c'est, un boss sneaky peasy? Le petit donjon? What the fuck? On va nettoyer la zone avant. Ils donnent des sous, là, eux autres, pareil. Des runes. What the fuck, des squelettes de feu? C'est quoi ce village? C'est pas pire d'être en infiltration. C'est comme un Assassin's Creed, mais en mieux fait. Différent. Mieux fait parce que elle, je me sens vraiment comme dans l'inconnu. C'est ça que j'aime, contrairement aux jeux Ubisoft ces temps-ci, là, depuis quelques années. Je vois pas les ennemis à travers les murs. Là. À chaque fois que j'arrive sur le bord d'un mur, faut que je fasse attention. Je le vois pas avec un gros aura blanc ou rouge. Ah, il y a quelqu'un là, fais attention. Non. T'es en infiltration, pis tu sais pas à quoi t'attendre, regarde comme là. Oh, what the? Ah, voyons donc. C'est donc ben nice! Ah, ça, je me disais, il se faisait exploser. En bas, il y en a un autre de lui. Là. Hey, j'ai eu peur de faire du bruit. Fallait pas. Il a même pas le temps de m'attaquer. Hein. Là, c'est plate qu'il n'y ait pas un... Un site de grâce proche. Il y en a peut-être un, mais... Oh, ils m'ont encerclé! Oh! Ils m'ont quasiment bloqué. Qui se fasse exploser. C'est vraiment dégueulasse, ça. Vous avez... La COVID s'est emparée du monde. Ça, c'est la terre d'après, ça.
ici, en tout cas, il y a un truc pour regarder. Ah ben, il est là. Ça, c'est la zone du marais. Là-bas, il y a le désert. Là-bas, là. Ça, on vient d'y aller. Là-bas, il y a l'arbre monde. Je sais même pas si je t'ai battu le gars. Oui, oui, c'est à côté de ça. Et ouais, je reconnais l'endroit. Ici, il y a encore des chiens. Là-bas, je sais même pas si je suis allé. C'est pas pire ça de pouvoir voir la map. Hey, il y a une cabane en haut là-bas. Si on n'est pas allé, puis là-bas, il y a un genre de dragon. Ok. You. Please. I can't breathe. You're. Oh. Are you one for festivals? Mm. Festival. To the south, a grand festival to make the stars turn. To the east, the heart and bud of a flower to be. But dare you enter into the heart of the scarlet rot? What? Ça va, mamie? Bon, le festival, on était au courant, mais je peux pas le faire pour une raison XY pour le moment. Et Alès a dit qu'elle a une fleur en en devenir. Ben, c'est là, là. C'est ici, genre. Ok. Ici, tu peux aller. Ah, ok, ouais, ça, c'est un autre chemin. En bas, c'est un chemin. Ici, c'est pas un chemin. Ok. Hey, un peu plus il me mettait en bas lui. Bon, on va retourner à notre donjon. Fait que là ici j'ai un truc de grâce de toute manière au cas où. Fait qu'on va aller voir le boss. En partant du donjon, c'est même pas un donjon, c'est. Hein? Oh non! Pas... Oh non, pas eux, non! Ah, j'ai. Ok, il y a une vague de boss? C'est quoi le délire?
Ah man, il s'est protégé. Je vais tuer les deux en même temps. Là, je fais de la merde. Hey, toi! Ouh. Let's go! C'est donc ben hot, ça. Gardez-moi le bouclier, vous autres. Là, tu peux tirer avec ça. C'était que. Il faut être 44 en force. Hein. Je vais vraiment augmenter ma force. La dex, ça va prendre le bord pour le moment. Là. Vraiment nice que, comme petit donjon. Bon, fait qu'on va aller au site de grâce en bas. On voit pas à cause de ta cam. Mes stats, voilà. En haut à droite, j'ai 228, 209, puis 27. Pourquoi j'ai 25, 27? Regarde encore mieux, j'ai enlevé ma cam là. Ben. Je suis niveau 60. Voilà. Puis mon arme est à plus 8. Ben, c'est pas une erreur parce que regarde, moi là, je vais augmenter ma force drette là. Mais là, augmente ta vigueur pis ton endurance. Mais 44, il faut avoir en force pour manier l'autre bouclier. Ah non, c'est vrai, je voulais augmenter mon endurance avant. Augmenter mon endurance avant. Bon, fait que là, on est dans le chemin en bas. Est-ce que c'est en haut que je vais aller de toute façon? Pour aller là-bas, je sais pas comment y aller. Mais là, apparemment, dans le marais, il y a quelque chose. Fait que là, c'est dans le marais que je dois aller. Là. Ici, là, il y a de quoi. Là.
La bataille d'Iwan, Radha et Mann sont dans l'impasse, puis la purification. Aïe, aïe. Oh, Miss Graff! Welcome back! Bienvenue à toi, ma chère! Yeah! Émoticône souriante. Émoticône souriante. Comment ça va? Comment ça va? Bon, on va monter là. Ça ferait pas grand chose. Là-bas, il y a un truc. T'es allé là-bas, à l'ouest? Ça, je l'avais pas fait, ce château-là. Surtout toi que j'avais pas fait. Boum. Mais avant d'aller dans le marais, là, ça... Oh non, pas eux. Eux, je les déteste. Là-bas, je l'avais pas fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il protège. C'est vraiment bizarre ici de le rassemblement. Ah ouais, Gandalf! Il y avait quoi ici? Comme ça qu'il y avait rien. Il y avait pas rien que ça. Ok. Il y avait rien de... Là-bas, il y a quelque chose en bas. Bon, lui, il va ramener à quelque chose. Je suis mon ami. 27 et 15. 15 en endurance, man. Augmente ton endurance. Holy shit. En ce moment, je suis 35 en vie. En endurance, je suis 20. Hey, t'as-tu les fleurs, toi? Holy shit. Une chance qu'on va pas éclos, hein? Bon, un secret ici. Des clés, lames de pierre, là, c'est extrêmement important. Hein.
Un donjon caché. La caverne au géol. Oh! Il va y avoir des trucs pour améliorer les armes. Ho ho ho! Ah, ça me coûte 22 000 à cette heure montée. 22 000. Il en manque encore un peu. Ben, on va se monter. Là, regarde, tu vois, ça, c'est un donjon qui est pas pareil. Là. Ça, c'est intéressant, mais on a changé de zone. Là, c'est intéressant. On a un donjon différent. Ben là, le donjon est quoi? Là, c'est intéressant. D'après moi, les donjons de chaque biome se répètent, mais t'en as des différents selon les biomes. C'est ce que je vois, là. Encore! Hey, ça là! Alors, j'étais là, est-ce qu'il va essayer amour ami? Oh non! Il allait-tu m'ouvrir la porte? Je sais pas. Il bouge! What the fuck? J'ai tué tout de suite parce que j'ai l'impression qu'il va arriver de quoi, là. On peut pas l'ouvrir de ce côté-là. Oh, le lag. Oh my god, le sneaky, man. Toi, là. Dégage. Si je peux même pas le poigner. Dégage. Ben, mon tabarouette, je t'écrase au sol, man.
Sneaky, man. Ah là, ce donjon-là est vraiment différent. Ça, c'est le fun. Ça détruit pas la porte, les faire exploser. Mais je sais pas comment qu'on rentre là-dedans. Là. Réduire en bouillie, mais comment? Ça pète pas la porte, c'est ça, je comprends pas. C'est chiant. Un rock est passé. Oh, la maman des rats. Dans toutes les sous, on la retrouve, elle. Un classique. Il peut pas avoir un sou sans des rats. Non, j'ai rien pour j'ai rien pour ça, non. Je peux pas croire que j'ai pas de truc de poison. Ah oui, je peux en fabriquer un. Là en bas, il y avait quoi, hein? Thank you. Tabarnak, Voldemort! What the fuck? En voyant des rats. Je sais pas, c'est pas normal, effectivement. On l'a ouvert, mais les portes sont pas plus ouvertes. Hein. Ah, là, ça va ouvrir les portes. Ok. Ça change. Là, ça change la donne. Oh,
Bon, d'après moi, la suite du niveau est là. Oh, hey, c'est quoi le bug? Regardez-moi ça, on voit à travers le niveau. Ça, c'est mal fait, ça. On va prendre une photo. J'ai oublié de fermer un mur. Bouclier. Des runes. Ça, c'était tout fermé. Il y en avait un là. Oh, je suis mêlé. Ok. Ça vient mêlant. Là. Yo! Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de rien. Oh! Le Wacky Charlie! Une clé lame de pierre. L'épée a l'air d'être une scène. Café du saignement aussi, mais moins forte que celle-là que j'ai déjà. Ok. Ben, ce donjon-là, il est nice. Il est vraiment différent. Ben, il y a vraiment plus de trucs. Et si il y a un mur, c'est sûr. Là. Ok, mais j'irai pas là maintenant. Là, il m'en restait un. Là-bas, il y en avait un qui ça montait, puis là, lui, il descend. Fait que là, je suis comme... Je m'en vais où avec ça, genre? Je m'en vais-tu à l'autre en bas ou c'est un fucking labyrinthe d'un? Ah, c'est vrai, faut que je retourne faire ça. Donc, Kemper, tu viens de me le rappeler. Non, je vais aller le faire après. C'est vrai, j'avais pas fait le donjon du début avec les clés de lame de pierre. J'étais pas retourné. Il m'a enlevé de la vie. Hein. On va aller faire ça après. Bon, ben qu'on est arrivé d'ici en fait. On est arrivé de l'en haut. On est descendu, on a eu tout ça, nanana, nanana, ça c'est beau. On a là que ça allait vers là-bas, puis ça remontait. Ouais.
Là, ça remonte là. Je pense en fait que c'est un servitio, ce que je suis. Là. Là, on a ouvert la porte que là. Bon. Tabarnak, c'est un vrai labyrinthe. Bon, ici. Puis après ça, je vais aller voir l'autre en bas. C'est quoi, là? Ok, on est revenu en haut. Ok, ben ça, ça permet de remonter en haut. Fait que là, là, ce que je veux, c'est aller voir le passage secret. C'est quoi que j'ai découvert? Ah, c'est un fucking labyrinthe. Le passage secret, gars, je me rappelle même plus où. Ça a été ici. À droite. Non. Il était pas là. Colin, il était où mon passage? Là? Ouais, il était là. Je pense. Ah, barman, c'est mêlant, mon gars. Il y a un truc que j'ai ouvert, mais je sais même plus où. On est revenu encore avec l'affaire des rats. C'est peut-être là. Hein. Je redescendrai pas là, on vient d'y aller, là. Voyons donc. Je retrouve pas l'endroit que... Ben voyons donc. Ah ben mec. Oh, Linded, on m'est perdu, hein? Ça semble que c'était ici. Ah, c'était là. Bon. On a retrouvé. Oh my god, ça dit rien qui vaille en bas, hein? Oh!
dirait Hercule. Ben non! C'est Hercule. Ils vont-tu nous faire spawner à côté ou ça va bugger puis ils vont nous faire spawner à l'autre bout? Ok, c'est bon. Ah non, les autres ils spawnent tout aussi. Merde. Je sais pas pourquoi la statuette ils l'ont mis là, ils auraient pu la mettre ici. Non, gars, c'est où, merde? C'était là. Ouais. C'est là. Ah voyons, man! Dead! That's it. C'est honteux d'avoir crevé contre lui. Hein? Oh wow! Oh! Tabarnak, c'est donc bien beau ici. Qu'est-ce qu'on est où? Pas le début. Same. Dame. Je sais pas, il est quelle heure. Hey, regardez-moi ça. Ah, maman. Mange de viande blanche. Ah, je pense que j'étais à côté du truc pour aller en bas. Ouais, c'est ça. Ok, je sais où est-ce que je suis.
Bon! Donc on a fait ce magnifique donjon. Je vais retourner là pour retourner dans le marais. Le marais m'a amené ailleurs, finalement. Là, tantôt, j'étais allé vers là-bas, right? C'est par où j'étais allé? J'étais allé vers le marais, mais pas vers le marais. Un autre endroit, j'étais allé. Ah ouais? Ok, ben là, t'attends que ça, toi? Ben, on va y aller. J'ai hâte de voir. On va y aller, je viens de vérifier de quoi ici. Mais ça, on l'avait fait, en fait. Ah, on l'avait fait, ça. Ok, j'étais ici tantôt. Toujours réexplorer ses propres ondes, guys. Des fois, il y a un angle qu'on n'est pas allé, on n'a pas vu. Là. On découvre de quoi d'autre. L'exploration est vraiment bien faite, là. Le donjon qu'on a fait était là. Encore un donjon. On va aller après Dark Camper. Tu restes un petit 10-15 minutes pour qu'on s'y rende voir. Je vais juste voir qu'est-ce qu'ils font ici, eux, là. Là-bas, il y a un objet. Ça avance vraiment bien, quoi, qu'on a battu les deux autres boss. Je sais pas si t'étais là. Puis on a découvert des trucs capotés. Ah, vraiment, là. Regardez-moi les plans! Ça, là, on a fait ça en 3 épisodes, cette zone-là, là. Là-bas, le château qui est énorme. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Bordel de merde. Ah, ça m'écœure, man, ces affaires-là. Ben non! Holy shit! Thank you.
Quand tu colles ta monture, tu peux pas tourner, genre. Oh my god. Ah, ça fait chier, ça. What the hell, man. La monture, quand tu la colles, tu peux pas vraiment la diriger. Là, ce que je voulais, c'est cet objet-là. Je vais aller chercher mes runes. Comme ça, je vais essayer d'aller récupérer l'objet. Ah, les chiens là, sont vraiment chiens. C'est le cas de le dire. Taurenne mange. Si on l'avait fait. Bon, ben que ça c'est bon. Là, il y a quoi ici comme donjon? Après ça, on va faire le donjon du tutoriel. Un clip, let's go! Oh! Hey, des bébés! Des bébés crevisses! C'est leur bébé! Ouais, toujours aussi chiant. Même bébé, il produit ça. C'est vraiment spécial. Oh, la lame météorite, ça a l'air donc bien d'être beau, ça. Et où? Oh! Faut monter l'intelligence, non! J'ai goût de tout monter, mais de monter mon intelligence à tel niveau, tout. C'est plus dans l'endgame. Bon, fait qu'on s'en va vers le prochain feu de camp, on va dans le tutoriel essayer de finir le truc. Après ça, je vais aller manger. Hier, on avait battu le dragon ici. Le commencement. C'est dur, apparemment. J'ai hâte de voir.
Ah, il est plus là, lui. En cas d'une servante, partez pour l'Urnia, alors cherchez l'église de la Rose à l'ouest des portes de la ville. Bravo, ben on l'avait eu, ça. L'église de la Rose, je sais c'est où. Rendu pas en Bloodborne. Bon, fait que regardons ça. Ah, ça en prend deux? Ah ouais, mais c'est du poison de temps partant, là. C'est con, là. Ah oui, une zone empoisonnée, man. Une niaise. What? Ben voyons donc, c'est comment tu fais pour aller là-bas? Tombeau des héros. Max, c'est un donjon de combien de temps, ça? Holy shit! Il n'y a pas ici, là. À date, ça va bien. Je sais pas à quoi m'attendre, man, c'est stressant. Hein. Ok. Avec le fils de pute, il revient, genre. Je me disais bien. Je me disais bien qu'il y avait de quoi de bizarre, là. Mais comment il fait? Comment je sais qu'il revient? Oh my god, ils me font spawner là? Ben non, là. Wow. C'est là faut que j'aille. Pourquoi ils me font spawner là par contre? T'es rendu à combien de blood points, Quake? Par curiosité.
Et je suis mieux de le tuer, sinon il va me faire chier après ça en bas. Ben là, comment je fais? Ah, man! Ça a l'air d'être plus chiant que difficile, là. Je me demande qu'est-ce qu'on va y trouver en bas, par contre, là. C'est une autre histoire. Pas besoin de l'échelle, là. Je me demande que si je bute les esprits, ils viennent vers moi, genre. Est-ce qu'il y a une intelligence ou c'est un mécanisme automatique? Je sais pas. J'en ai aucune idée. D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Hey, Bix. Là-bas, ça remonte. Bon, un boss, super. Pas de verrouillage, c'est bien vu. Bon, c'est contre qui qu'on va être, là? Oh! Oh! Ça, c'est le genre de boss que j'adore. Les boss à Bloodborne.
Tabarman! Il est donc ben hot. Colin. Et voilà! One shot! Oh, il donne une graine dorée! Ah! Nice! Ben, pas eu besoin de chance, ça a bien été. Ça a bien été. Le boss était vraiment beau, pis c'est des boss de même que j'adore. C'est pour ça que Bloodborne, là... Bloodborne, je l'aime mieux que certains souls, c'est que les boss, c'est vraiment des monstres capotés, pis c'est pas une des chevaliers, genre. Ce monstre-là était incroyable, mais le gros défaut, c'est que vu que c'est dans un endroit clos, on le voit pas bien, le boss. On le voit vraiment pas bien. C'est un peu spécial, là, que... Si t'avais été en extérieur, on l'aurait bien vu, là. Le boss était bien trop gros pour la zone. Là, ben, comme en haut, il y a quelque chose. Je prends pas de chance, je prends mon temps. Boum! Sceau de la communion draconique.
Bon, ben, on a terminé ce petit donjon. Mais c'était pas si compliqué. Mais pour moi, là. Il y en a qui vont peut-être vraiment avoir de la misère à le battre, celui-là. Mais je suis content parce que ça m'a donné. Ça m'a donné une graine dorée. Ça m'a donné une graine dorée, fait que c'est vraiment nice. De lui, je vais y parler, voir, là. Ah, always a pleasure. I suppose he must still. I know. Why not meet him for yours next time you hear the wolves howl? Make this signal right under the sword. Don't fret. There's oh, ben oui. Fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Ah ouais, claquement des doigts quand ça va. What? Ok. Spécial. Je vais y acheter son armure à lui, là. Goodbye. Yeah, goodbye. Goodbye, goodbye. Là, on avait le truc draconique ici à faire. On fait ça, puis je vais aller souper. Oh là là! Flamme draconique, griffe draconique ou gueule de dragon? Bon, d'ailleurs. Okay, ouais, il faut de la foi, genre. Ah, bah ouais. Bon, avec ça, c'est fait. Là, il y a toujours ici que je peux aller puis que je suis pas capable d'aller. J'ai pas compris pourquoi. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Bon, ben, on va s'arrêter ici, guys, pour ce 5e épisode sur YouTube. Nous autres, on va continuer en live dans à peu près une heure le temps que j'ai mangé. Fait que voilà, merci aux autres de m'avoir suivi dans cet épisode. Ça a quand même bien avancé. On a battu deux boss qu'on était bloqués. On vient de battre un boss en bas qui nous a donné une graine dorée. Puis on a réussi à battre l'autre avec. Fait que, intéressant. On n'a pas avancé vraiment dans les zones en tant que telles, mais on a avancé bien des trucs. Puis la map est tellement grande là, que tabarnache de tabarnache. C'est immense, merde. C'est immense. Fait que là, on va essayer d'aller ici dans le désert parce que les trucs nous pointent vers là où est-ce qu'il y aurait un boss à proprement parler. Fait qu'on va essayer de faire cette zone-là à soir. Ouais. Mais là, avant, il faut faire le marais. Dans le marais, il y a quelque chose. Puis là, il y a aussi le fameux festival là, que... Il va falloir aller voir. Là. En tout cas, je vous dis bon matin, moi je vous bonne soirée, bonne nuit, peu importe, portez-vous bien, je vous bien surtout, et je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine.